on retrouve les enfants avec Luigi qui nous suit. Arrête de lancer des confettis, Luigi. Il y en aura plein à la maison après. Et puis Luigi, il annonçait bien le char de Super Mario Bros qui nous rejoint avec le quartier des Pérines. Un char réalisé par toute la famille Guyon et les amis au quartier des Pérines. Mario et son super carte, Mario char des Pérines et de ses amis. Depuis mi-janvier, la fabrication du char a débuté bien sûr, donc je vous disais de longues heures préparation, de longues soirées, de longues journées pour fabriquer tous ces chars. La structure a été modifiée par les hommes, les fleurs fabriquées lors de belles réunions festives dans le quartier autour de bons petits gâteaux. Le char comporte très exactement 14 000 fleurs. Applaudissements, merci. Le collage des fleurs a été réalisé les trois dernières semaines, c'est pour vous dire. Les enfants du quartier ont accepté, bien sûr, avec joie, de se déguiser pour défiler devant vous aujourd'hui. Et on continue avec le cochon qui rit. Par la Corpse Company, le deuxième char de la Corpse Company en ce dimanche après-midi du côté de Chabeil. Donado par Laurent et Maurice Balin. Les finitions, l'œuvre d'une vingtaine de bénévoles. Les Balin, bien sûr, Paul, Margot, Corentin, Clémence, Marie-Hélène, les Barbus, Jacques, Magali et Figaël. Les Hugonnet, Bernard, Lâche et Huguette qui ont fait grosse quantité de fleurs pour ce char. Alors le cochon qui rit, hein, dans la Corpse Company, eh bien ce sont des milliers de fleurs faites par Madame Dauphin, Yette et Marie-Lou au collège, Stine, Sylvie, Sarah, Sandrine, Paul, Clémence, Tess, Eddy, Corentin, Luc, les chefs de gaufrage, Margot et Lolo, Maurice et Laurent pour la structure, au ravitaillement et au goûter. Et on les accueille maintenant, il paraît que c'est la meilleure banda de la région, Los Cayetos de Chabeil. Habillés en petits cochons, ils sont nourris à la caillette et au cochon. Ils ont bien bien chaud. À l'image de leur nom, les Los Cayetos. Tout est bon dans la caillette. Thank you.
instant.